Je sais pas, ça me fait trop rire, c'est la première fois que je vois ça. Mec, casse-toi en fait. Hein? Dégage. C'est... Vous êtes un peu âgé, c'est pas comme ça. Monsieur! Tu veux pas ça, il veut juste savoir, il est descendu, il veut juste savoir ce qui s'est passé. Monsieur, s'il te plaît, parce que ça m'énerve, quelqu'un qui parle. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Lexbra. Aujourd'hui, une nouvelle expérience sociale. Moi, je vais jouer un rôle d'handicapé qui essaie de parler mais qui n'arrive pas, qui bégaye. Et accompagné par mon soeur, il va jouer le rôle de moqueur. Il va se moquer de moi, il va rigoler. Et on va voir les réactions des gens, comment ils vont réagir. J'espère qu'ils vont réagir hein. Et ils vont intervenir. Ils vont mettre une petite claque sur la gueule. Avant que la vidéo commence, mets le petit pouce bleu. Ça nous aide énormément. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et pour les anciens abonnés, je vous conseille de désabonner, abonnez-vous parce qu'il y a un petit bug sur YouTube. La vidéo, quand on sort la vidéo, YouTube ne montre pas la vidéo aux abonnés. Et voilà, passons à la vidéo. Comment je peux pas. Allez, pas Personne n'a le temps aujourd'hui. Personne n'a le temps pour m'aider, pour aider un handicapé qui bégaye. Personne n'a le temps aujourd'hui. Ils sont tous pressés, comme par hasard. Vous avez pas 2 minutes, tu vas vous arrêter, je crois. Ça fait. Je suis nouveau sur Strasbourg. Je cherche. L'arrêt de tram. Il est en face de toi là. Tram D. Oui, quoi? Tram D. Le D? Le problème c'est que moi je suis un mission aussi. Pourquoi tu rigoles? Moi je trouve c'est drôle non? Là il bégaye. Pas drôle. Arrête. S'il vous plaît. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Il essaie de me dire un truc, mais je comprends pas du tout. Vous voulez aller quelque part? Strasbourg. Vous êtes de Strasbourg, c'est ça? Attends. Tu es de Strasbourg, c'est ça? Oui. D'accord, attends un peu. Je peux te voir un instant. Ouais. S'il vous plaît? Attends. S'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui. En fait, il bégaye, je comprends rien du tout. Vous pouvez. Ça fait une demi-heure. N'importe quoi. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas possible. Je comprends pas, tu veux pas faire ça quand même. Je sais ta place. Ça pouvait aussi t'arriver. Sérieusement. Il n'a pas demandé à être, c'est ce qu'il est.
Je veux pas ça, il veut juste savoir, il est descendu, il veut juste savoir ce qui s'est passé. Tout. Non mais c'est le fait qu'il bégait, ça me fait rire. Justement, mais j'arrive il a pas, pas voulu. C'est plus pas... ça sort de scène en fait. Mais il n'a pas demandé à être comme ouais, ça en fait, ouais. À bégayer, et toi tu te permets de faire ça, c'est pas possible. L'important c'est de pouvoir l'aider, et si toi tu serais en train de bégayer, qu'est-ce qui serait arrivé? Je cherche la mairie. Attends, la mairie, alors si tu veux, il y a le tram ici quelque part. Sinon, si tu veux, je peux te rendre ça devant aller. Merci. Ouais, ben, je t'en prie, merci beaucoup. Merci à vous. Sérieusement. Il n'a pas demandé à être. Il a un handicap, mais tu peux pas te demander de faire ça. Comment je peux aller. Beaucoup pas le verre. Pourquoi tu rigoles? Comment je peux aller à l'arrêt de... T'as compris? C'est juste au bout là, au bout de la rue, il y a l'arrêt de tram. Tout droit. J'ai jamais vu personne comme ça. Tout droit? Ouais, tout droit. Je cherche. J'arrive pas à retenir. Je cherche. Comment t'arrives pas à rigoler? Vous êtes de Strasbourg? Ouais. Vous savez où je peux trouver la gare? Comment t'arrives à rigoler? Tu prends le tram A. Ouais, dis-moi. Je comprends pas, il parle trop. Ouais. Enfin, il bégaye trop. Laisse-le essayer de parler quand même. Ouais. Comment je peux... Doucement. Comment je peux aller... Ah, de rigoler, par contre, ça me saoulait, en fait. Genre, il essaie de parler... Déjà, je prends mon temps, ok. Ouais. Tu le connais? Non, je le connais pas du tout. Il vient de m'aborder, là. Je te défonce? Non, très bien. Je sais pas, ça me fait trop rire, c'est la première fois que je vois ça. Mec, casse-toi en fait. Hein? Dégage. Mais non, tranquille, je l'aide. J'essaie de l'aider. Que dalle, tu viens, tu m'abordes, j'essaie de l'aider devant moi, alors qu'il essaie de me demander son chemin. Non, c'est pas mon but, c'est... j'essaye, mec, mais vraiment, j'arrive pas à me retenir. Ok? Ouais. Et dégage. Trop. Parce que tu me casses les couilles. Allez, frère, dégage. C'est bon, tranquille, non, rien de me pousser. Y a pas besoin de me pousser. Comment. Comment je sont partis comme ça, frère. C'est quoi ça? Vraiment, je suis choqué. Je sais pas. Il rigolait un peu après les parties. D'ici, il faut y aller à pied déjà ici. Comment tu t'arrives à le retenir? Bah c'est simple ça. Moi j'arrive pas. Bah ici, si tu vois pas, tu peux. Bouge d'ici. Où il est là? Bouge d'ici. Bah allez, toi, faut pas être avec nous. C'est tout droit à gauche. J'arrive pas à retenir. Je peux trouver magasin. Un magasin. Pour acheter quoi? Pour j'ai besoin. Dis un mot au pire, ce que t'as besoin. De l'eau? Il y a un magasin juste là-bas à gauche, il y a un super rue. Pourquoi tu rigoles? Ouais, il y a un super. Mais merci. Il est trop congé à l'allemand. Je comprends pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Parce qu'il est débile, c'est tout. Genre, c'est un enfant dans sa tête. Ouais. Il comprend pas le monde.
Et il essaie de me dire un truc, mais je comprends pas. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Il y a un magasin là-bas si vous voulez acheter, ou il y a aussi une fontaine là-bas. C'est l'eau gratuite, c'est l'eau potable. Tu le montres, lui? Je peux pas le montrer. Mais on rigole pas comme ça, parce que lui, il ne comprend pas. Il bigueille, c'est une maladie, ça arrive à tout le monde, monsieur. J'arrive pas à me... Et ça sort tout seul. Non, mais c'est juste doucement, mais laisse-lui finir le... Qu'est-ce qu'il voulait parler? Ouais, monsieur, ça, c'est... Ça, vous regardez. Oui, ici on est à Strasbourg. Mais vous êtes ici, les magasins ils sont loin pour acheter quelque chose, manger ou à boire. C'est pas ici. Tu le connais? Non, il vient juste de me parler là. Il venait de là-bas. Vous êtes un peu âgé, c'est pas comme ça. Monsieur, viens à l'ombre ici, viens. Viens, reste à l'ombre, parce que c'est pas bien pour le soleil pour vous. Viens. Tu le connais lui? Ben, tu as trouvé où? Ici ou de l'autre côté? De quoi? Le monsieur, tu as trouvé où? Ben, je venais de là-bas, il vient de m'interpeller. Ouais. Oui, tu peux boire de l'eau, mais monsieur, s'il te plaît, parce que ça m'énerve, quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui rigole à côté de moi. Pardon. Excusez-moi. J'arrive pas à... Ça sort. Ah non, monsieur, c'est pas ça. C'est pas bien, monsieur. C'est une maladie, il faut respecter. Ça arrive à vous, vous êtes en bonne santé, vous parlez, mais c'est une maladie d'enfance, c'est pas bien, monsieur. On respecte les gens. Si un quelqu'un aveugle, si un quelqu'un sourd comme ça... Oh, ou c'est la première fois que je vois ça. Ah non, monsieur, c'est... Je sais pas. Où tu es, où je sais pas, tu habites à Strasbourg, vous? On rigole, bah. Monsieur, c'est une caméra cachée, on rigole avec vous. Vous avez très bien réagi. Hein. Vous avez vraiment, franchement, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent comme vous. Non. Hein. Vraiment, viens bien donner à quelqu'un un coup de main parce que c'est un quelqu'un. Non, monsieur, moi je te jure, je suis un quelqu'un franc. Si un quelqu'un, je ne sais pas, une marche handicapée, s'il est perdu, je le ramène jusqu'à où il parte. Il se moque de moi, mais genre, fallait lui envoyer une pêche. Vous avez pas trop bien réagi. Mais après, voilà, nous on voulait pas non plus se prendre la tête, aller se battre et tout ça, mais bon. On est juste parti se balader tranquille. Ah, madame, est-ce que c'était une expérience sociale? C'est une expérience, ouais. Ok, blague. Genre, je vois, il voulait pas intervenir là sur place quand il était là-bas, mais quand on était là, c'est très gentil de votre part de dire que c'était un enfant et tout. Bien joué en tout cas, tu es... Merci. Ah, juste là. Ah, d'accord. On regarde comment les gens ils réagissent quand je bégaye. Non, mais après, c'est normal, je veux pas accepter que c'est manque de quelqu'un, tu vois. J'ai réagi. C'est normal, normal en fait. Franchement, votre réaction était magnifique. Ah, vraiment. On a bien réagi, monsieur. Bravo. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent comme vous. Non, mais je peux essayer. Les gens ils réagissent pas du tout. Merci. Ça dérange pas si ça te dérange pas.